va au marché. Marie s'en va au marché. C'était pour y acheter. C'était pour y acheter. Cadeau de Noël. Elle voulait gâter ses enfants, ses amis et ses parents. Elle organise une soirée pour tenter de les rassembler. S'embarque dans tout un contrat. Les douze travaux commencent là. Elle est allée au magasin pour combler sa liste de besoins. Une nappe et des décorations, papier d'emballage et chaudron. Vite un arrêt de la pharmacie, trouver des assiettes assorties. Des cadeaux pour les bonnes Noël, du savon est bien usuel. Des cadeaux pour les bonnes Noël, du savon est bien usuel. Elle est allée à la boulangerie, acheter du pain des pâtisseries. Pris des beignes pour les enfants, joue à crème et biscuits croquants. Vite un détour à SAQ pour trouver un vin charnu. Quelques bouteilles de remontant pour faire un punch déjeunant. Quelques bouteilles de remontant pour faire un punch déjeunant. Puis alors à Quincaillerie, acheter du sel et des outils pour que personne se blesse en glissant, se brise le dos ou se pète les dents. Puis roule jusqu'au centre d'achat, par toutes les boutiques qu'elle croisa. Tente de trouver des habillements pour elle, son chum et ses enfants. Tente de trouver des habillements pour elle, son chum et ses enfants. Avant la grande nuit, remplit son panier d'épicerie. Vide plein de provisions, de gâteries et de bonbons. À son retour, elle cuisina des entrées, un bon repas. Elle fabriqua des petites bouchées, du dessert pour les dents sucrées. Elle fabriqua des petites bouchées, du dessert pour les dents sucrées. Avant la réception, fit le ménage de toute la maison. Elle assura la propreté, passant la journée à frotter. Elle accueillit ses invités, servit le repas, ses bouchées. Elle assura l'animation, sortit les jeux et la boisson. Elle assura l'animation, sortit les jeux et la boisson. Elle n'a pas vu le temps passer, quand on aura tout planifié. Pour quelques heures si vite passées, elle était bien sûr épuisée. Mais ce n'était pas terminé. Les invités sont partis et tout le monde dort dans son lit. Marie doit tout ramasser, effacer les traces du party. Recevoir c'est la tradition, mais ça coûte cher, c'est de la pression. Pensez au moins à remercier les gens qui vous ont invités. Et les autres tels que Marie qui mettent autant d'énergie. Les 12 travaux sont terminés. On a une semaine de congé.